Bonjour, je m'appelle Mireille Langlois et j'anime le magazine radio Culture et Confiture les samedis matins dans l'Ouest canadien et le Nord. Cette année, on vous propose des performances inédites d'artistes de chez nous. On brise la glace avec deux auteurs-compositeurs-interprètes de l'Ouest qui vous proposent leurs reprises croisées. Ils se sont prêtés au jeu d'interpréter leur version d'une chanson l'un de l'autre. D'abord, Annick Granger, françaisquoise d'origine, montréalaise d'adoption, et Matt Stern, originaire de Montréal, installé à Victoria. Salut Matt. Quand j'ai écouté ton album pour choisir une chanson, je suis tombée sur celle-ci. Puis, elle m'a frappée parce qu'il y avait comme quelque chose de vraiment léger puis lumineux dans cette chanson-là. C'était comme heureux. Mais quand je me suis attardée sur le texte, j'ai vu qu'il y avait aussi quelque chose d'hyper vulnérable dans cette chanson-là, qui correspond à une façon que j'aime beaucoup chanter ces jours-ci. Alors, j'ai eu envie de comme exploiter le côté vulnérable et de le mettre à la lumière. Puis, je l'ai appris la toune, je l'ai écouté, j'ai appris le texte. Mais là, je vais t'avouer que j'ai comme arrêté complètement d'écouter ta version. Alors, je ne sais pas à quel point ça a changé, à quel point ça a bougé. J'ai essayé de me l'approprier autant que possible. Puis, plus je la chantais, plus j'ai aussi pris contact avec le côté hyper physique et sensuel de la chanson. Puis ça, c'est particulier parce que c'est pas souvent des thèmes que je vais chercher dans mes chansons. Alors, je me suis dit, OK, ça, c'est intéressant. Je veux aller là-dedans, voir ce qui va arriver. Puis merci beaucoup parce que ça a été un vrai plaisir de reprendre cette toune. Alors, j'espère que tu vas l'aimer. Alors, voici pour ce soir. Cette fois, je ne t'idéalise pas. Je ne perds pas la tête. Je reste raisonnable. Mais il n'y a que toi pour moi. J'ai ta saveur au bout de la langue, l'empreinte de ton corps sur mes draps. Pour ce soir, ça ne prend que quelques secondes, juste un regard, et je suis transportée. Et dès qu'on voit le matin naître, je sais que tu vas disparaître. Je garde l'espoir de t'avoir pour ce soir. Les nuits sont longues jusqu'à ce que tu reviennes. Je suis sous mes couvertures et tu m'enchaînes. Je tourne et retourne dans mon lit sans toi, jusqu'à ce que tu poses tes doigts sur moi. Mais il n'y a que toi pour moi. J'ai ta saveur au bout de la langue, l'empreinte de ton corps sur mes draps pour ce soir. Et voilà.
J'ai vraiment ressenti la vulnérabilité dont tu parlais. J'avais mon cœur qui battait super fort tout le long. J'ai vraiment expérimenté comme si c'était ta toune à toi. Mm. Et j'ai comme pu la redécouvrir comme c'était tout nouveau. Puis j'ai vraiment ressenti profondément. Cool. Merci. Je suis contente. Annick, quand j'ai entendu cette chanson-là, j'étais tout de suite frappé par le mood de la chanson et l'aspect un peu nostalgique, un peu mystérieux. Fait que d'abord, c'était ça, mais ensuite, quand j'ai écouté les paroles de plus près, c'est vraiment elles qui sont venues me chercher. Et on dirait que j'ai découvert la chanson au bon moment de ma vie parce que ça s'est rejoint à des choses qui se passent personnellement, dans ma famille. Et ensuite, pendant, je dirais, 2 semaines environ, ça roulait tout le temps dans ma tête et j'avais quasiment pas envie d'écouter d'autres chansons. Je voulais vraiment me baigner dans l'atmosphère de cette chanson-là. Alors, je te présente ta chanson « On fuit la mort, on suit la mort ». Facile à faire. Mais c'est dur à donner. Déjà 3 petits et un autre ennoué. L'amour, y'en a jamais trop. Je passerai ma vie à leur faire des bébés. Déjà 2 maris et ce ne sera pas le dernier. Les yeux c'est fait pour rider, les femmes pour quitter. Mais les hommes c'est comme les flots, faut s'en occuper. Le cœur c'est fait pour briser, les enfants pour aimer. Les oiseaux pour s'envoler, on fuit la mort, on suit la mort. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Avant, traverser la vie, j'avais la patience. Dans la course au paradis, faut pas que l'on devance. Avant, on était bien ici. Avant le silence, coup de poing de son absence. Et quand il est arrivé, un rayon de lumière au creux de l'hiver, pendant 2 semaines à peine, il était le monde entier. Le cœur s'est fait pour briser, les enfants pour aimer. Les oiseaux pour s'envoler, on fuit la mort, on suit la mort. Oh, 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 oh. On fuit la mort, on suit la mort. Un frère sur la banquette arrière, sans dire un mot,
J'ai roulé toute la journée. L'oiseau s'est envolé. S'il y a une chose que je sais, c'est que rien de si beau n'est fait pour durer. Oh, 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 oh. Merci pour ça. Merci à toi. Ouais, tu... Ah, wow. Ah. Pas une chanson facile que tu as choisie. Vraiment pas. Comme, non, je sais. Tu sais, moi, j'ai de la misère à la chanter, cette chanson-là. Elle est pas facile sur comme plein de niveaux. Puis, ça m'a surpris parce que c'est une chanson, pour moi, qui est tellement de perspective d'une femme. Puis, mais c'est une histoire que mon ami m'a raconté, et il m'a raconté sa mère et son petit frère. Puis quand toi, tu la chantais, je voyais mon ami, comme je voyais mon ami qui m'a raconté l'histoire, qui chantait sa perspective de la chanson. Alors, c'était... Ouh! Ça tout... ça l'a ramené à... C'était vraiment beau ce que tu as fait. Merci beaucoup pour ça. Merci. C'est cool d'entendre ça, d'ailleurs, parce que j'ai... Je l'ai ressenti, cette histoire-là, cette histoire très personnelle de ton ami, en l'écoutant, mais en l'apprenant, c'est comme... Il y a ce sentiment que c'est quand même des thèmes universels. Ben oui. Et j'ai pu me retrouver là-dedans, vraiment. C'est ça. Au début, en l'écoutant, je suis comme, non, c'est pas, ça n'a pas besoin d'être la perspective d'une femme, ça peut être n'importe qui vit ça. Wow. Ça, c'est comme ça ajoute une autre couche. Oui, tout à fait. C'est fou comme on redécouvre sa propre chanson autrement. N'est-ce pas? Yeah. Annick Granger, Matt Stern, merci beaucoup pour ce moment. On se sent privilégié d'avoir pu assister à ça, de le partager aussi avec nos auditeurs, nos spectateurs. Oui. Merci. Merci. N'hésitez pas à partager cette performance et à la réécouter sur l'application audio. Je m'appelle Mireille Langlois. Je vous retrouve à Culture et Confiture. Bye bye tout le monde.